¡Cucu la fama! Coucou la femme, j'espère que vous allez bien. On est dans un nouvel épisode et il faut laisser ça aujourd'hui. Et il y a de cela quelques semaines, j'ai eu un appel. C'était un appel ou un message sur WhatsApp d'une dame qui me disait qu'elle voulait faire du sport, mais elle a peur. La mère, tu as peur de quoi? J'ai peur de la douleur. Tu veux faire le sport? Tu veux te remettre au sport? Mais tu as peur de la douleur. De quelle douleur s'agit-il? Des courbatures? Non, je ne comprends pas. Elle demandait, tu as accouché? Oui. Combien? Deux? Les deux ou trois? Oh. Voix basse? Oui. Tu as eu mal? Oui. Tu as peur de quelle douleur alors? C'est de quelle douleur que tu as peur? Donc toi, tu ne vas pas faire du sport parce que tu as peur de la douleur. La douleur la tue. Ça a tué qui? Tu as entendu que qui est mort parce qu'il avait trop mal après avoir fait le sport. Moi, je ne comprends pas. Et qui vous dit qu'on a forcément des courbatures quand on fait du sport? Oui, tu n'as pas fait d'exercice physique pendant un moment. Oui, quand tu vas te remettre à faire de l'exercice physique, il y a de fortes chances que tu aies d'autres courbatures. Mais bien évidemment, ça dépend de l'intensité de tes entraînements. Ça dépend de comment tu exécutes également les mouvements. Est-ce que tu t'es échauffé avant? Est-ce que tu t'es étiré après? Ben, tout ça rentre en jeu, mais tu ne vas pas t'empêcher de bouger. Comme je vous le dis très souvent, le corps humain est fait pour bouger. Mais toi, tu ne vas pas t'empêcher de bouger tout simplement parce que tu as peur d'avoir mal. Et pourtant, tu as eu plein de trucs là où tu as eu mal. Il y a l'autre qui est parti dans la salle de sport, elle a pris la machette, elle ne voulait pas défricher, elle voulait couper l'arbre. Elle s'est blessée partout dans la main là. Après, elle vient me mettre la main, elle dit, oh, j'ai mal. Elle dit, mais qui t'a envoyé? Quand tu fais deux burpees là, tu vois que tu es arrivé, tu vas aller couper l'arbre. Mais tellement au sol, tu me fais les pommes. J'ai peur de faire le sport parce que j'aurais mal. C'est une douleur qui tue. Ça a tué qui? Vous savez que moi, dans ma salle, on a dit que maman, si c'est le genre de sport que la fille a fait, bêta, je ne fais pas le sport et tout et tout. Qui vous a dit que c'est ce qu'elle avait demandé de faire? Quand tu arrives dans une salle de sport, quand tu arrives chez nous à Fitchoré, ma mère dit à la rue de Bangui à Bali, à Douala, on observe ton niveau et on te donne des exercices en fonction de ton niveau. Et parfois, c'est même vous-même, les nouveaux, qui faites la sorcellerie. Ce qu'on fait, c'est que quand on dit, ok, comme toi, tu es nouvelle, tu fais ceci, les autres, vous faites ceci. Tu suis ce que les autres font, ceux qui sont là depuis fort, ceux qui sont en train de faire, c'est ce que toi, tu es en train de suivre. Et après, tu te plains que tu avais trop de courbatures. Qui t'avait envoyé? Faut laisser les choses comme ça, hein. Faut laisser la sorcellerie. Le sport, c'est par niveau, c'est par étape. Vous, quand vous êtes nouveau, vous voulez tout faire. Vous voulez faire tout comme les anciens. Vous voulez faire la séance le lundi, le mardi, le mercredi, le lundi à dimanche, vous voulez être en salle de sport. You don't do that. C'est pas la marche, c'est pas le jogging. Même le jogging, tu auras mal aux jambes. Tu auras mal peut-être aux genoux, tu auras mal aux tibias, tu auras mal aux mollets, ainsi de suite. Donc, laissez tomber l'idée comme quoi, quand vous allez vous remettre au sport, vous aurez forcément des courbatures. Il y a des courbatures qui sont normales à avoir après une séance de sport. Et il y a des courbatures qui ne sont pas du tout normales à avoir. Celles qui durent 3-4 jours et tout, machin, fort, voilà. Maintenant, en fonction de ton niveau de fitness aussi. Une comme moi à qui ça fait je sais pas combien d'années maintenant je suis dans le sport. Si j'ai des courbatures qui durent 2-3 jours, ça va pas me déranger plus que cela. Mais ça dure 5 jours, je vais m'inquiéter, c'est tout à fait normal. Mais n'allez pas vous empêcher de vous faire du bien parce que vous avez peur de la douleur. Parce que tout simplement, vous faites du sport pour être dans un bon état de physique, santé, morale et ainsi de suite. Et vous faites du sport pour votre propre bien-être. Ça y a tué qui? C'est moi-même qui ai déjà accouché 4, 5, 6, 7. Mais tu as peur de la douleur. On fait une soirée, ça. Il faut m'expliquer. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça.